الله تعالى عندما يتوب على عبده وأن يرفعه مكان عليا طبعا يحس الإنسان بالطمأنينة والسكينة ونسأل الله تعالى أن يجعل جميعا منهم قولوا آمين إن شاء الله الله يقدر الخير إن شاء الله. Cette question t'a déjà répondu pendant le dars. Qu'est-ce qui nous prouve que la nuit de la valeur c'est la veille du 27e jour? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le hadith de Ubay. Ubay ibn Ka'b, c'est un grand compagnon. Je vous rappelle ce compagnon Ubay ibn Ka'b. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était parmi les grands lecteurs du Coran. Et bien entendu, je vous rappelle que Salat Tarawih, elle a été prescrite de la manière suivante. Le prophète est sorti un jour, enfin une nuit. Il est sorti de chez lui, c'est comme ça en face de la mosquée, dans la mosquée. Il a fait Ba'd Raka'at, il faisait des prières, Qiyam. Où Sahaba avait quelques compagnons avec lui dans la mosquée qui l'ont vu, ils ont fait la prière avec lui, derrière lui, Ma'ar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, les compagnons qui ont profité du prophète de Qiyam, toute la journée, ils ont été voir les autres compagnons. On a dit, vous avez fait quoi hier? Hier soir, vous avez fait quoi? Ah non, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le Nabal. Ah bon, on dit les autres compagnons. Ah non, t'es pas au courant. Alors donc vraiment c'est bouche à oreille, bouche à oreille. La deuxième nuit, Rasul son Khurij. Le Ramadan. Il salli kadaik ba'tsa raka'at al qiyam. Masha'Allah, jamais Ali commence à se rendre. Plus de la moitié de la mosquée était remplie. Sahaba, ils sont passés le mot, ils sont venus pour prier Kadar Sassou. Rasul salla dik raka'at badaja. Le troisième jour, troisième nuit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre le rideau comme ça dessus, parce que chez lui, son peu Aïcha, c'est la mosquée là, en face. Il ouvre. La mosquée va exploser, elle est bondée. Les sahaba, ils sont tous venus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bil mu'minin ra'ouf ar-rahim. Il ne sait pas, il va sortir. Mais la réflexion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je vais sortir maintenant, si je vais sortir, et je vais à la prière, il y a un risque qu'Allah ta'ala, tout simplement, fasse que cette prière devienne une obligation. Il y avait un risque. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à tous ceux qui sont occupés, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui sont encore bouqués, ceux qui ne pourront pas et qui vont donc évidemment avoir un préjudice quelque part dans la pratique. Il est resté à la maison. Les sahaba, ils sont à la mosquée. Ils sont restés à la mosquée en train d'attendre le prophète. Hatta al-fajr, j'imagine al-fajr. Il y en a qui sont rentrés chez eux, bien sûr. Mais la majorité sont restés. Et Rasul, quand il arrive, qalou ya Rasulallah. Mais les gars, tu es sorti la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, tu nous as laissé attendre, t'es pas sorti. Faqan al-Sasun, yani qal khashitu an tufrada alaykum. J'ai craint, j'ai eu peur que cette prière, qui est une surérogation, laissez le fard, laissez le tarawir. Khashitu an tufrada alaykum. Hadin yamanam subhanahu wa ta'ala, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc évidemment, pour ça, c'est le début de sa tarawir. Et puis, après lui, de son vivant, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais prié toutes les nuits tarawir, jamais. Jamais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a jeûné 9 ans. Tissa Ramadanat. Sur les 9 années de Ramadan qu'il a jeûné, jamais il a été en permanence. Il dit, bata stata. Lemma ja'a al-Khalifa al-Awwal, Abu Bakr al-Siddiq. Il a gouverné 2 ans. De même. Ja'a Omar ibn Khattab, deuxième calife. Il a gouverné 10 ans. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il trouve Jma'at sallihna ou Jma'at sallihna. Ramadan, hein? Omar ibn Khattab, Amir al-Mu'minin, il trouve un groupe de 5 là, de 10 là, chaque groupe il salli wahadoum. Qalani yahna umma inta tawhid, le Rasul nous a appris à être unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé tous les musulmans. C'est lui qui a mis en place, si vous voulez, le processus de Salat Tarawir, Omar ibn Khattab. Et il a choisi le meilleur lecteur, Aqra'uhum. Et c'est qui? C'est Ubay ibn Ka'b. Donc l'imam de tous les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Omar ibn Khattab, qui a commencé à Salat Tarawir, c'est lui, Ubay ibn Ka'b, qui nous rapporte ce hadith. C'est un des compagnons du prophète qu'on catalogue dans ceux qui étaient, bien entendu, préoccupés et occupés par le Coran et sa mise, sa mémorisation, son enseignement et autres. Donc, Ubay ibn Ka'b. Et puis, c'est le hadith. Donc, tout ça, c'est l'introduction. C'est un peu la sira de Ubay ibn Ka'b. C'est lui qui fut le premier imam de Tarawih sur Omar ibn Khattab. Et c'est lui qui rapporte le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que, dans son hadith, que la nuit de la valeur était la nuit du 27. C'est-à-dire le 26 au soir. Et il dit même, je suis prêt à, si on devait traduire par un expression, je suis prêt à mettre mes deux mains coupées, que c'est cette nuit-là, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a fait comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par allusion. Allusion que peu de compagnons ont pu cerner et comprendre, mais Ubay ibn Ka'b en fait partie. Donc voilà, le hadith. Wallahu alam. On va essayer de faire bref, parce que c'est ça. Rien sans.
Alors là, pareil, la question que tu as déjà répondu. La nuit de la valeur se situe dans les 10 dernières nuits. Y a-t-il une notion de nuit impaire? On l'a déjà dit. Oui, c'est ça. L'éveil des nuits impaires, enfin les nuits, l'éveil des jours impairs. C'est les nuits qui précèdent les jours impairs. C'est la nuit du 21, la veille du 21, la veille du 23, la veille du 27, la veille du 24. C'est pas la nuit du... C'est ça, c'est le soir de tous les jours pairs. Tous les jours pairs, c'est leur soir, le soir, le jour du soleil. Et la deuxième question, de quand date la création des mois lunaires? Date la création des mois lunaires. Les mois lunaires, ils datent depuis que la Lune existe, depuis qu'on a créé la Lune. Elle est très ancienne, sauf qu'on les appelait différemment. Vers les calendriers, nous avons quatre calendriers. Un qui est tombé, qui est encore utilisé en Chine, dans certaines populations d'Asie. Mais les trois calendriers sont le calendrier grégorien, julien, si vous voulez, c'est-à-dire de janvier à décembre. Calendrier syriaque, qui est également solaire, qui correspond au calendrier julien et grégorien. Syriaque, un peu plus ancien, et le calendrier égérien, on appelle égérien aujourd'hui le Hijra, mais en fait qui est le calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire, il était utilisé par les Arabes et par les Moyen-Orientaux depuis très longtemps, en parallèle avec le calendrier syriaque. Encore aujourd'hui, dans le monde, au Moyen-Orient, vous avez encore les gens qui utilisent le calendrier syriaque et égérien. Ça. Donc le calendrier syriaque, lui, c'est exact, c'est des mots arabes, ou plutôt araméens, modifiés, je dirais, qui sont quelque part sémitiques, hein, certainement. Et ces noms-là, ils correspondent parfaitement à janvier, février, mars, avril, mai, juin, ils ne changent pas, c'est les mêmes. Mais le calendrier de la lune, le Qamar, Ashhur al-Qamariya, c'était une habitude arabe, tout simplement. Les arabes, pour eux, c'était la lune. Bon, on comprend le désert, le mystique, c'est très pittoresque, c'est ça, les étoiles, la lune, l'évasion. C'est comme ça que les Arabes vivaient, ils étaient bédouins, ils étaient bien sûr nomades. Et les Arabes ont toujours utilisé ce calendrier égérien, Hijri, et pour eux, ce qui est une question de relativité, c'est le calendrier solaire qui est en décalage, et pas le contraire. Alors non, nous on est en Europe, en France depuis tout petit, janvier, février, mars, on connaît les événements dans la société, dans la vie de tous les jours. On vit à la lumière du calendrier solaire, ça. Donc pour nous, dès qu'on va dire, ah on est quel jour, Hijri, on est en déphasage. C'est comme si c'était un calendrier handicapé, vous voyez. On n'est jamais sûr, 29, 30, il y en a toujours en décalage. Ça, on n'est jamais sûr. Mais en fait, les Arabes, dans la péninsule arabique, avant même l'islam, hein, ils vivaient en fonction du paramètre lune, et c'était les autres calendriers qui étaient, c'est la relativité qui change, qui étant en déphasage par rapport à eux. C'est comme nous par exemple, on va prendre aujourd'hui, allez, on va oublier janvier, on va le mettre en deuxième position. Prenons Ramadan, on vit avec le calendrier égérien. On va constater que janvier, février, mars, calendrier solaire, ben, il se décale, c'est lui qui se décale de 11 jours, et non pas le contraire, c'est relatif. Mais l'utilisation de ce calendrier, l'appellation de ces mois, elle se fait tout simplement, c'est dans la nature, hein. Safar, Muharram. Alors Muharram, c'est un mois sacré. Muharram. Mais le mois sacré, il n'est pas sacré. L'islam est sacré avant l'islam. C'est les mois où les Arabes, ils ne se livraient pas bataille. Ils posaient, c'est l'armistice. Ils faisaient pas, c'est des mois sacrés chez les Bédouins arabes. On est là, yataqataloun, là, yataharaboun. Donc ils faisaient une trêve. Donc le Muharram. Safar, Safar. Ensuite, tous les mois, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, ça veut dire printemps, Rabi al-Awwal, c'est l'air. Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Shawwal, Sha'ban, Ramadan. Ramadan également, l'origine est l'arabe. L'origine de Ramadan, c'est quoi Ramadan? C'est ce qui brûle, ce qui se consume. En arabe, on dit Armada Yormedou. Ramada Yormedou, c'est être très très intense, très chaud. Être chaud, jusqu'au point d'être brûlant. Et en fait, Ramadan, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était une période de forte chaleur dans la péninsule arabique, Ramadan. On dit également que, avec l'islam, c'est devenu un sens figuré, c'est métaphorique. Allah Ta'ala, pour Coran al-Karim. Allah Ta'ala, pour Coran al-Karim. Il utilise les mots que les Arabes comprennent, utilisent. Les mêmes mots. Donc évidemment, quand il chante Ramadan, c'est ce mois qui correspond à un mois béni, évidemment, révélation du Coran. Mais la valeur métaphorique coranique, c'est que Ramadan, on passe à un sens figuré et métaphorique, c'est que pendant ce mois, les péchés sont brûlés. Parce que Ramadan veut dire brûler. Ramadan yarmoudou veut dire brûler, consumer. C'est les péchés qui sont brûlés pendant le mois de Ramadan quand on demande pardon. Voilà. Et sur les autres mois, le pèlerinage depuis Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'Ibrahim, depuis qu'il a construit la Kaaba avec Ismaël son fils, jamais, jamais la Kaaba elle est restée toute seule. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un miracle. Kaaba, Wadin Finnas et Bilhaj,
Il y avait le Hajj al-Jahiliya, c'était des païens, ils adoraient des statues.